Geoffa Lisi, un ténor italien qui est bien concerné par la lutte pour la liberté de pensée, d'expression et la libre recherche de la vérité historique. J'ai l'honneur d'être ici avec Monsieur Robert Florissant dans sa maison après son anniversaire. Alors, la première chose que je voudrais vous demander, cher Robert, est quelle a eu votre impression de ce particulier anniversaire? Je précise pour commencer que nous sommes le 26 janvier 2017. J'ai donc 88 ans et un jour. Et vous me demandez mon impression sur ce qui s'est passé hier, le jour même de mon anniversaire. Eh bien, j'ai eu une très belle et très inattendue expérience, parce que voilà, je subodorais qu'il y avait des gens qui préparaient quelque chose pour mon anniversaire, mais je ne savais vraiment pas qui. Quelques amis m'ont dit, eh bien, montez dans la voiture, venez, nous allons déjeuner ensemble. Et je croyais que nous allions être cinq ou six. J'arrive en un endroit connu de Vichy qui s'appelle l'hôtel Aléthi, qui est très, très très connu. Et puis là, j'arrive devant une salle où je découvre, alors paraît-il, 92 personnes. Alors, ovation et le reste. Guet-apens et un guet-apens extraordinairement réussi. Comment avez-vous fait pour comploter ainsi? Je vais commencer à croire au complot et aux conjurations auxquelles jusqu'à présent je n'ai jamais cru. J'ai cru plutôt à. C'est pas l'incrédulité générale et tout. Je ne crois pas au complot parce que ça nécessite volonté, organisation. Est-ce que vous me entendez? Ok. Vous comprenez my poor and broken English? Ok. That's good. Alors, je suis très surpris, je ne sais pas comment vous avez fait. Je subodorais un traquenard, mais pas de cette dimension et pas réussi à ce point-là. Alors, félicitations. J'en ai bien besoin. There we are. OK. Alors, je sais maintenant, depuis quelques heures, je sais le nom des responsables de ce guet-apens, parce que j'ai dit, c'est surprenant. C'est comme un guet-apens, mais qui me fait énormément plaisir, évidemment. Mais dans la vie, je ne crois pas, moi, aux complots et aux conjurations. Je pense qu'il y en a très peu.
je parle, de, et qui réussissent. Je pense qu'il y en a peu, parce que on a besoin, pour être un complotiste, un comploteur plutôt, on a besoin de discrétion, c'est rare. Mm-hmm. On a besoin de courage, c'est rare. Alors, j'ai été étonné de voir tous ces gens-là qui m'ont fait un accueil qui m'a vraiment réchauffé le cœur, parce que en ce moment, je dois dire que je traverse une période particulièrement difficile à cause des ennuis de santé de ma femme, qui se sont confirmés ce matin lors d'une visite médicale, ma propre santé, et puis alors ces éternels procès qui me rendent la vie impossible. Je ne veux pas donner les noms des responsables. Je les remercie, je leur écrirai à chacun pour les remercier, mais je ne peux pas donner leur nom parce que je crains qu'il n'y ait un procès à cause de ce qui s'est passé hier. Alors moi, je serai poursuivi, mais je ne veux pas que d'autres personnes soient poursuivies. Ce n'est pas un secret ce que je dis, ce que je conclus de mes recherches, parce que je n'ai pas d'opinion sur l'Holocauste. J'ai le résultat de mes recherches. Je regrette. Je regrette. J'ai par exemple, je suis l'homme qui a découvert les plans. Il me reste à remercier notre ami. Merci à vous. Merci pour votre exemple, pour votre courage et pour votre rectitude. Pas mon courage, mon héroïsme. Oui, c'est vrai. À bientôt, cher maître. À bientôt. De dire micro, car vous savez que maintenant ils veulent organiser des procès à huis clos. Alors ils coupent le micro par exemple, ou alors ils parlent loin du micro, si bien que dans la salle, ceux qu'on appelle le peuple français, puisque la justice est censée être rendu devant le peuple français, ne peut pas entendre ce qui se dit. Donc mon frère, à un moment, dit « micro ». Eh bien, il a été mis à la porte, alors que le président savait pertinemment que mon frère était là pour m'aider, je dirais presque même physiquement, voyez-vous. Voilà. Bon. Mais j'ai une nouvelle à vous annoncer, elle est mauvaise, mais on va voir, peut-être que je trouverai la parade. J'ai un avocat qui suit mes affaires d'un peu loin, et pour le prochain procès, j'ai dit à mon avocat, je veux que vous demandiez qu'on m'assure 2 heures de temps de parole, car vous savez que le président, au début, est censé vous dire « Vous avez le choix, ou bien vous allez répondre à mes questions, ou bien vous allez procéder à ce qu'on appelle une déclaration. » Et moi, je choisis la déclaration, mais je veux 2 heures. Eh bien, cette fois-ci, j'apprends que la présidente, Sophie
portier, a décidé que mon prochain procès durerait entre 45 minutes et 60 minutes, tout compris. C'est-à-dire que j'aurai peut-être la parole au maximum 10 minutes et mon avocat la parole au maximum 10 minutes. C'est-à-dire que c'est un complet sabotage. Alors je ne sais pas si je vais aller à ce procès, je ne sais pas si je vais faire une déclaration, je ne sais pas encore. On verra. Et voilà, donc j'ai besoin de réconfort en ce moment. Et vous me l'assurez, vous me le confirmez. Je vous remercie. J'en vois là. Scott! Yes! Really? Well, fantastic. Sur ce point-là, je voudrais vous donner juste une petite anecdote. Lorsque j'ai soutenu à la Sorbonne ma thèse, c'était pas très loin de la naissance de Jésus-Christ, enfin, c'était en 1972. Et la séance de soutenance dont j'ai l'enregistrement a été extrêmement vivante. On entend le public réagir 120 fois. Une partie du public était contre moi et en particulier des gens du FHAR, F-H-A-R. Front homosexuel d'action révolutionnaire. Ils n'étaient pas contents de ce que je disais de leur héros, Lautréamont, n'est-ce pas, puisque ma thèse portait sur Lautréamont. Enfin, tout ça avait été vraiment animé. Il y a même un moment où on entend des applaudissements pendant 35 secondes. C'est pas mal. Bon, alors, mon père et ma mère, défunts aujourd'hui, ont assisté à ma soutenance. Et à la fin, mon père est allé trouver un des membres du jury. Ce n'est pas lui qui m'a raconté cette anecdote, c'est quelqu'un d'autre. Et il paraît que mon père a dit à ce monsieur qui était membre du jury: il se peut que par certains aspects, mon fils vous déconcerte. Il vous déconcerterait moins si vous saviez que sa maman est écossaise. Voilà, vous méditerez là-dessus, sur la réputation faite aux Écossais. Il paraît qu'ils ont de la ténacité. Assez souvent, dans les discussions comme ça avec les magistrats ou les autres, je dis « Oh, je suis désolé, je ne comprends pas, les Français sont trop intelligents. » Alors, moi, comme je ne suis pas très intelligent, je continue.